Les Globes de Cristal 8e cérémonie, c'est ce soir. Bonsoir à tous, nous sommes sur la plus belle avenue du monde, dans le temple du music-hall et du glamour parisien. Alors on va vous faire vivre les coulisses de la cérémonie, les lauréats, les remettants, les différents invités prestigieux qui vont arriver ce soir. Alors venez, suivez-moi, on va aller voir de plus près comment ça se passe. Est-ce que vous avez un favori dans la course ? Écoutez, il y a des gens très bien, Eddie Slimane est merveilleux, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, Ralph Simmons aussi. Barbara Buy aussi, voilà, ce seront mes trois préférés. Mais écoutez, je suis ravi d'être là ce soir et de représenter un petit peu, être partenaire avec les Globes de Cristal, parce que c'est une très belle cérémonie. J'ai été agréablement surpris l'année dernière quand je les ai vus à la télé et que j'étais malheureusement pas présent, mais cette année, j'espère que pour les prochaines années, je serai toujours avec vous, et je serai toujours présent, voilà. Bon, je viens apprécier le spectacle et on m'a gentiment invité, donc je viens de découvrir, puisque moi c'est ma première. Et alors vous, Franck, vous avez joué au théâtre. Est-ce que des prix comme ça, qui sont donnés par la presse, donc par les professionnels des médias, c'est encore plus important ? C'est important parce que c'est la reconnaissance d'un travail bien fait. Et puis, on a besoin de la presse a besoin de nous. Donc voilà, on apprécie, je pense que tout le monde apprécie. C'est, encore une fois, c'est une reconnaissance, ça fait toujours plaisir. On prend, il faut prendre quand on est tout en haut, il faut prendre. Oh oui, toujours, les critiques sont importantes, donc les journalistes sont généralement ceux qui rendent compte des spectacles, voilà, des activités artistiques des uns ou des autres, donc oui, évidemment, leur choix est important, même si c'est toujours celui du public qui prime, il n'empêche que quand on est artiste, on aime bien avoir les deux, et le public et les bonnes critiques. Si on vous dit Globe de Cristal, vous pensez à quoi ? Eh bien justement, je ne connaissais pas très bien, mais apparemment c'est bien d'avoir réuni un peu tous les milieux artistiques. Je trouve que c'est une bonne idée. Première série, première nomination, peut-être première victoire ? Bah, j'espère, enfin en tout cas, on a gagné, regardez, on a un repas gratuit. Bonsoir, alors on est avec Laurent Ruquier, c'est un peu sa soirée ce soir, on pourrait rebaptiser la soirée les Globes de Ruquier, puisque vous êtes quand même à l'initiative de pas mal de nommés ce soir. On peut citer. Je crois trois, si mes comptes sont bons. Alors, quels sont mes comptes ? Gaspard Proust, voilà. On est bon. Michael Gregorio, voilà. Inconnu à cette adresse. Exactement. Et on a quand même découvert Florence Foresti chez vous. Ah, c'est vrai aussi. Également nommé. Ah oui, c'est donc vrai. Un petit quatrième pour le compte. Si je cherche bien, il y en a beaucoup plus. Je crois que 85% de ceux qui sont nommés me doivent tout. Bonsoir, Chrissy Lenz. Bonsoir. Vous êtes directrice des programmes de Chérie 25, où est retransmis la cérémonie des Globes de Cristal ce soir. Alors, quel est le secret pour réussir une telle soirée, une grande soirée en direct ? C'est de faire confiance à une équipe terriblement bien rodée, qui est celle des Globes de Cristal. Ouais. Serge Benahim a super bien travaillé et préparé tout ça. Il y a Yves Lecoq, on est très content de pouvoir associer Véronique Mounier, qui est l'une de nos présentatrices vedettes de la chaîne, avec Yves Lecoq à cette soirée. Donc voilà, puis ça reste un spectacle prestigieux dans un lieu tout à fait prestigieux. Alors justement, qu'est-ce qui vous a plu dans cet événement ? D'abord parce que c'était le premier du calendrier et je trouve que c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il soit, que le jury soit non pas des gens de la profession, mais des journalistes grand public. Et un panel de 5000 personnes, c'est énorme dans une opération comme celle-là. Donc c'est là où j'ai beaucoup aimé le projet. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle 8e cérémonie des Globes de Cristal et une grande première pour Chérie 25. Très belle soirée. Merci infiniment. Très belle soirée à vous. Alors, le Globe de Cristal du meilleur téléfilm ou série télévisée est attribué, je dirais A, mais pas A, mais Les Revenants. Bravo! Alors, vous êtes les premiers gagnants ce soir pour les Globes de Cristal, 8e année. Qu'est-ce que ça vous fait ? Très surpris. Déjà, la soirée n'avait même pas commencé que voilà, on appelait déjà à venir sur scène et puis très 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 content. Vous aviez préparé un petit speech ou pas ? Pas trop, non, pas du tout. Je pense que ça s'est vu et y avait beaucoup de séries fantastiques en même temps, dans la même catégorie. Donc je pensais pas que ça serait Les Revenants, donc je suis très content. Et cette année, il y a plus de 5000 votants, journalistes spécialisés qui ont voté. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire cette année pour les remercier ? Je ne sais pas. Déjà leur dire merci parce que ça me fait vraiment plaisir. Et puis non, puis c'était un pari au départ, donc on l'a fait en espérant que ça plaise au plus grand nombre. Donc je suis content que ça plaise et puis je suis content que les gens y trouvaient ce qu'ils attendaient. Voilà. Michael Gregorio. Ouais. Michael Gregorio, cancer au Bataclan.
Michael Gregorio a été révélé en 2001. Et alors par rapport aux gens que vous incarnez sur scène, si vous deviez le dédier ce beau prix à l'un d'entre eux, ce serait qui? Oh non, difficile d'en sortir un seul. Ce qui est intéressant, c'est justement le voyage entre les différents univers et les différents artistes. C'est ça qui est intéressant dans ce spectacle. Voilà. Vous savez quand même qu'il y a Laurent Ruquier qui est dans la salle, qui a dû vous applaudir, j'imagine, qui a fait beaucoup pour vous et qui lui-même va être nommé dans la catégorie pièce de théâtre. Ouais. Vous avez un truc à lui dire là? Merde, voilà. Et merci aussi. Le Globe de Cristal de la meilleure pièce de théâtre est attribué à... Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. Bravo. Inconnu à cette Alors, adresse... Alors, la soirée commence bien pour vous, on va dire. Ah bah oui, ça commence très bien, oui, c'est formidable. Ça fait quoi de gagner un Globe de Cristal? Ça fait plaisir. C'est tellement inattendu que c'est génial. C'est vrai, justement, la question, on s'y attend pas du tout avant d'arriver? Non, très, très sincèrement. Je suis pas du genre à vouloir prévoir les trop bonnes choses. C'est mieux quand elles arrivent comme ça. Voilà, et très sincèrement, on en a parlé avant, j'en peux le dire, hein. Je pensais vraiment que ça allait aller au père, parce que le spectacle est magnifique, parce que Robert Hirsch est magnifique, parce que la mise en scène de Ladislas Chola est extraordinaire. Donc je me suis dit, voilà, déontologiquement, c'est normal que ce soit eux. Et ça nous est tombé dessus, on était détendus, on ne s'y attendait pas du tout. Hein ? Ah vraiment, oui. Le Globe de Cristal pour le meilleur créateur de mode cette année est Barbara Buy. Bravo ! C'est important pour d'être reconnu par des professionnels qui ont des avis en général assez critiques. Ce n'est pas que spécialisé dans certains métiers, comme par exemple, il n'y a pas que des magazines de mode. Il y a des quotidiens d'information, des journaux, des magazines de culture. Donc ça, pour moi, c'est important parce que c'est une reconnaissance plus globale, en fait. La gagnante du meilleur roman à essai est Les Pays de Marie-Hélène Lafon. Très heureuse d'avoir remis ce prix à une femme et donc un superbe livre. Et on est très heureux d'accueillir les Globes de Cristal au Lido, hein, puisque je suis présidente du Lido. Et bravo encore pour ce livre. Et je suis heureuse que ça soit une femme. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir reçu ce prix ce soir? C'est très surprenant. Vous vous y attendez pas du tout? Je ne m'y attendais absolument pas, ni à être présente ici, ni à me retrouver dans ce genre de circonstances avec le livre que j'ai écrit. Donc c'est très surprenant, exotique comme je l'ai dit tout à l'heure, et plaisant. Le Globe de Cristal de la meilleure comédie musicale 2013 est attribué à 1789. Yes! Voilà, yes, ça fait yes. Voilà. Donatien, qui est-ce qui va le garder le Globe? Moi. C'est vrai? Parce que j'avais les Energy Awards, je les ai jamais gardés. Tous les prix, jamais gardés. Les disques d'or. Là, c'est pour vous, vous le lâchez plus. Là, je le lâche plus et puis il est très très beau. Est-ce que vous êtes fier de vos petits? Oui, je suis très fier. Franchement, oui. Franchement, oui. On a une belle troupe. Bon, en tout cas, les Globes de Cristal, ce sont des récompenses qui sont délivrées par les journalistes. Est-ce que, du coup, ça a une valeur supplémentaire pour vous? Mais ça a une grande valeur pour nous, la reconnaissance des journalistes. Après celle du public, on est comblé. On est comblé, évidemment. Et on l'attendait depuis longtemps. Hein. Ni sur les 10 commandements, ni sur Mozart, l'Opéra Rock, ni sur l'Enseignement, on l'a jamais eu. Bon, alors là, comment ces problèmes? Parce que vous l'attendiez depuis longtemps, vous l'avez dans les mains, mais vous êtes quand même plusieurs à le partager, ce globe. Comment vous allez faire? Je donne une poussière à monsieur, une poussière à monsieur, je garderai ça. Ah, c'était dans vos pronostics, 1789, ou pas du tout? Honnêtement, je savais pas, mais je suis très content pour Dove, vraiment, parce que je l'ai vu arriver un peu bougon, ce soir un peu malade, probablement, enfin bref, je suis très content pour lui. L'interprète féminine, donc, est attribuée à... Olivia Ruiz. Troisième Globe de Cristal? Oui, c'est ça. Je suis ravie, surprise. Vous l'avez collectionné. Tout à l'heure, vous m'avez fait la confidence, c'était votre maman qui l'a gardé. Celui-ci aussi? Oh bah, je pense, oui, qu'il sera à Marseillais dans mon village d'ici quelques semaines. Elle profitera de sa venue à l'Olympia pour le récupérer, mais ça pèse. Elle va m'en vouloir. Ça vous fait quoi, du coup, de recevoir encore un nouveau prix pour cet album? Je suis ravie, je suis très heureuse. C'est un album qui est important pour moi. C'est le quatrième, c'est un vrai passage. C'est le premier que je fais 100% toute seule. Le public l'a déjà consacré avec 100 000 exemplaires vendus. Maintenant, les médias, c'est super. Donc l'année commence bien pour Olivia Ruiz. Ah ouais, ça commence super bien. Ouais. Sûrement d'autres prix d'ailleurs, parce qu'en général, les Globes donnent un peu la tendance pour le reste de l'année. Vous attendez à avoir d'autres prix? Vous y pensez ou pas du tout? J'en sais rien, non. Je pense à faire un beau spectacle et à le tenir à travers toutes les routes de France, voire d'Europe et du monde pour les 3 mois à venir, voire les 6 surtout. Je suis très heureux d'avoir remis le Globe à Olivia Ruiz.
que je suis depuis le début, le tout début. Elle était encore tout à fait inconnue. Et je suis content de l'avoir remis ce globe. Alors, c'est le moment d'ouvrir l'enveloppe. Bonsoir Ina. Bonsoir. Vous faites partie de la 8e cérémonie des Globes de Cristal pour remettre un prix ce soir. Exactement. Je remets le Globe de Cristal de la meilleure exposition. Alors justement, c'est une cérémonie qui récompense les arts et la culture dans son ensemble. Oui. Est-ce que vous, il y a des petites catégories artistiques que vous aimeriez mettre un petit peu plus en avant ? Non, je pense que c'est très bien justement que ça soit aussi varié, qu'il y ait de la musique, du cinéma, de la mode, de l'art. Je trouve ça très bien. Dali au Centre Georges Pompidou. Exposition Dali. C'est un plaisir, Amanda. Ben exactement. Merci Ina. De rien. Merci. Il est époustouflant dans Clo-Clo de Florent Emilio Siri. J'appelle Jérémy Régnier. Vous venez de recevoir le Globe de Cristal du meilleur comédien ce soir. Alors dites-moi, le tournage a eu lieu il y a quelques temps maintenant. Qu'est-ce que vous avez mis de vous pour faire une interprétation aussi époustouflante de Claude François ? Qu'est-ce que j'ai mis de moi ? Plein de choses qui sont mélangées dans ce que j'ai entreaperçu ou en tout cas travaillé sur le fait d'interpréter Claude François. Je crois que c'est un mélange des deux. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment, j'ai énormément travaillé forcément en amont pour rencontrer, je dirais, le personnage. Et je me suis énormément documenté, j'ai regardé énormément de choses. Et tout d'un coup, j'avais tellement d'informations que j'avais du mal à trouver ma propre place dans le personnage, parce que c'est important pour qu'il existe et pour qu'à un moment, ce ne soit pas juste, je sais pas, une caricature. Il faut que ce soit à l'intérieur. Et donc, voilà. Et donc, j'ai laissé la place un peu à Jérémy. Dans Claude François, je ne pourrais pas vous dire où, mais voilà, il y a un peu des deux. Et le fait que ce soit ce soir les journalistes qui vous délivrent ce prix, ça a une importance particulière ? Ouais, c'est sûr. Il y a deux, il y a le public. C'est marrant de pas arriver à faire un prix mélangé critique-public. Ouais. Mais non, c'est très touchant parce que forcément les critiques peuvent être plus dures ou vu qu'ils voient énormément de films, ils voient tous les films, donc ça peut être plus dur. Mais en même temps, je crois que le public peut être aussi très dur. Non, je suis très content. Les deux sont une belle promesse. Et voilà, je voudrais vous remercier. Merci pour tout et bonne soirée. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu le fameux Globe d'honneur ? Eh bien, comme vous le dites si bien, je suis très honoré. Mais je considère que si mon ami Hervé Bourges m'a désigné pour ce globe d'honneur, c'est pour récompenser l'engagement résolu que j'ai à la tête de la francophonie pour la défense de la langue française, langue que nous avons en partage, et des valeurs que cette langue véhicule. Et donc je suis sûr que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené dans ce monde qui est guetté par le monolithisme culturel, intellectuel. Nous devons tout faire pour que ce monde puisse être un monde de diversité enrichissante. Et la langue française a un rôle très important à jouer dans le maintien et le développement de cette diversité enrichissante. Et je remercie encore le président Bourges pour avoir pensé avec beaucoup d'amitié à moi, mais à la francophonie aussi. Alors Christine Lenz, vous êtes la directrice des programmes de Chérie 25, c'est ça ? Donc première année de diffusion sur cette chaîne, comment ça s'est passé la soirée pour vous ? Très bien, la soirée était superbe. Soirée réussie ? Oui, le duo fonctionnait à ravir. Yves Lecoq et Véronique Mounier, la présentation, c'est vrai ? C'était très très bien tous les deux, la soirée était magnifique. Il y avait de jolies personnes, il y avait une belle remise de prix. C'est en plus un prix plutôt original avec 5000 journalistes qui ont voté. Donc c'est rarissime qu'il y ait un panel aussi important. Donc oui, c'était vraiment bien, il y avait une vraie valeur. Et puis pour nous, c'était historique, c'était notre premier gros direct. J'étais très touchée qu'on me demande de remettre le prix du meilleur acteur, parce que je suis toujours émerveillée par les performances de ces monstres sacrés. Et je suis très heureuse d'avoir remis le prix à Jérémy Régnier. Alors, ça fait plusieurs années qu'on sponsorise les Globes de Cristal. Alors, c'est notre façon à nous de participer, en fait, au monde des arts et de la culture et d'aider, effectivement, tous les acteurs qui sont dans ce monde-là et de participer à ce moment d'exception tous ensemble. Alors, Véronique Mounier, ce soir, vous avez été ambassadrice, maîtresse de cérémonie pour ces Globes de Cristal. Alors, comment ça s'est passé ?
Bah, c'était... Excusez-moi. C'était. Je précise que vous sortez de scène. Ouais, donc je suis un peu vidée. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, de suspense. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette cérémonie. C'est vrai que c'est pas le genre d'événement que j'ai l'habitude d'animer. C'est plutôt des émissions assez intimistes, à la Sans Tabou, où je vais interroger des gens sur leur vie, etc. Là, voilà, il faut être dans l'énergie. On a des gens célèbres, connus. C'est une vraie première, en fait, pour vous, du coup, d'animer une cérémonie. Première, en fait. Oui, j'ai réfléchi, c'est vrai que c'est une vraie première. On peut le dire. Et vraiment, je me suis beaucoup amusée. Alors, c'est la deuxième fois que vous êtes aux commandes de cette soirée. Qu'est-ce qu'elle a en plus, cette cérémonie ? Cette cérémonie, elle a surtout en plus qu'elle couvre tous les arts. C'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas limité à une catégorie. Moi, je pense que je ne serais pas là si c'était uniquement le cinéma. Ce n'est pas trop mon domaine. Mais là, comme il y a tout, il y a la variété, il y a le théâtre, etc. Donc, ça me concerne plus. Alors justement, parmi ces catégories, est-ce qu'il y en aurait une que vous aimeriez voir un petit peu plus mise en valeur le reste de l'année ? Ben, la mise en valeur, de toute façon, c'est le public qui décide, mais c'est bien aussi que des cérémonies comme ça les mettent en avant. Bon, évidemment, on sait très bien qu'il y a des catégories qui sont moins populaires que d'autres, les expositions notamment, mais je pense que ça peut gagner du terrain grâce à ce genre de vulgarisation. Et alors ce soir, vous étiez justement aux côtés de Véronique Mounier, hein, la maîtresse de cérémonie. Oui. Ça fait quoi, monsieur Lecoq, d'être à côté d'une jolie poule ce soir ? Ah ben, c'est agréable parce que d'abord, on se sent un peu comme un coq, comme un coq en pâte, puisque c'est la poulette qui fait le principal, qui mène la barque. Voilà, et puis moi, j'interviens comme ça pour, quand elle me sonne pour la distraire. Bon, ben, merci pour cette cérémonie en tous les cas et belle fin de soirée. Bonsoir. Je suis Benaïm, producteur des Globes de Cristal. Alors, cette 8e édition, comment ça s'est passé ? Comme on dit toujours, c'est la dernière qui est la plus belle, donc je la trouve vraiment plus belle. Et c'est la première année sur Chérie 25, du coup ? Et c'est la première année chez Chérie 25, en prime. Voilà, rediffusée là maintenant, à l'heure où je vous parle, sur Énergie Paris et vendredi sur Énergie 12. Donc vous êtes content de la soirée ? Sincèrement, je suis très content, d'accord ? Et j'espère faire mieux que ce que j'ai fait chez France 3, mais à mon avis, j'en suis sûr. Merci, merci à tous et merci au public du Lido. Bonsoir. Bonsoir.